Bonjour à tous et bienvenue dans ce 38e numéro des Légendaires Télé. Au sommaire, dans l'actualité du mois de juin, la première page du tome 21 en couleur, trois extraits du quatrième tome de Parodia et la couverture de l'agenda 2018-2019. Patrick Sobral a dévoilé en début de mois la première page en couleur du tome 21. On y retrouve nos elfes élémentaires qui emmènent Chimie devant la grande Chiska qui semble prête à l'attaquer. Une première page qui nous emmène vite dans l'action donc. Dans un second extrait couleur, nous découvrons un lieu principal du prochain tome, la capitale du monde elfique, Karakis, et ses couleurs somptueuses. Dans le troisième extrait, nous en apprenons plus sur les Galina. En effet, après la mort de Skroa, suite à l'intervention d'Artemus, les derniers représentants des Galina ont dû se réfugier sur Astria et plus précisément dans les montagnes d'Araronas, à la seule condition de ne jamais interférer avec les intérêts elfiques. Enfin, Patrick Sobral nous dévoile la deuxième de couverture du tome 21 qui met en avant les personnages principaux, Chimie, Griff, Solaris, Regen, Rokia, les Galina, ainsi que Darkel et Abyss. Parodia à présent avec trois extraits d'un même gag ce mois-ci. Ici, Samael entraîne Griff pour les terribles combats de Monslaves, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce petit est débordant d'imagination et prêt à tout pour prendre les consignes de Samael au pied de la lettre. Quick news et parlons rentrée scolaire à l'approche des grandes vacances. L'agenda 2018-2019 des Légendaires est désormais disponible dans toutes les bonnes librairies de France. La couverture met en avant les personnages principaux du tome 21 et ne vous attendez pas à des scoops ou interviews dont le contenu de l'agenda, mais seulement à des illustrations. Terminons ce numéro avec l'agenda des dédicaces. Patrick Sobral sera présent à la Japan Expo 2018 le samedi 7 juillet de 11h à 13h et de 15h à 17h pour des dédicaces. Dédicaces qui seront limitées et sur présentation d'un bracelet spécifique. 20 bracelets seront distribués sur le stand Delcourt à 10h et 20 autres à 13h. Et c'est ainsi que se termine ce 38e numéro des Légendaires Télé, plutôt court cette fois-ci, je vous l'accorde. Rendez-vous le 25 juillet pour le prochain numéro et d'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. N'oubliez pas de vous abonner et à très vite.